Allô, allô. C'est bon, ça marche ? J'ai cru que j'ai tout niqué. Hein. J'ai cru que j'avais tout niqué. J'ai cru que j'avais tout niqué. Mais attends, je démarre le logiciel. Ah ouais, non, mais... J'ai cru que j'avais tout niqué. Ah merde. En fait, je démarre le truc, je voulais faire une connerie. Tu vois, tout ça part d'une connerie. Je voulais faire une connerie et je voulais mettre un truc sur mon logiciel, enfin sur mon logiciel, sur ma boîte de mixage. Quoi. Et du coup, il me dit, ah, il y a une mise à jour. Donc, je pensais que c'était un truc vite fait, tu vois. Eh ben non. Ça a mis un petit peu de temps. Donc, là, j'ai un petit peu tutoyé la performance de The Artist. Hein. Je pense qu'on s'en est tous rendu compte. Hein. J'ai eu un appel de Jean Dujardin. Il m'a dit, s'il te plaît, arrête, tu vas nous faire de l'ombre. Voilà, donc, bon. Ah, tu veux pas non plus. Voilà. Hey, salut à tous, c'est Skyros. Comment ça va? Bienvenue aujourd'hui, les amis, de retour de vacances. Voilà, donc bon, je voulais faire une connerie et malheureusement, j'ai pas ma connerie, mais bon, nous sommes là, ça fait plaisir. Je suis parti quelques jours à Big Bear Lake. Si vous ne connaissez pas Big Bear Lake est une ville à 2-3 heures de Los Angeles. Donc ici, nous avons Los Angeles. Moi, j'habite ici, à Guadalajara, au large du lac de Chapala. Voilà, donc dans l'état de Jalisco, pour ceux qui demandent. Et là, j'ai pris un petit avion. Donc je suis passé au-dessus de Sinaloa, Sonora, Baja California, et je suis arrivé ici à Los Angeles. Et après, j'ai pris une petite voiture, et j'ai conduit jusqu'à Big Bear Lake. Alors, bon, Los Angeles, autant ça peut être 2 heures de route, autant ça peut être 3h30. Bon, bah là, on a mis plutôt 3h30, parce qu'il y avait quand même un petit peu beaucoup de monde. Donc voilà, je suis allé ici à Big Bear Lake. Et d'ici, on avait un petit chalet, presque au bord du lac. Voilà. Presque au bord du lac. C'était moins cher qu'au bord du lac. Et après, nous avons pris la petite voiture et nous sommes allés skier ici à Snow Valley Mountain Resort. C'est une petite piste sans prétention qui est faite pour les débutants, etc. Et voilà, on est parti quelques jours là. Ça a fait un bien fou. On est parti avec les enfants. Première fois que les enfants sont montés sur des skis. Donc forcément, petite émotion. On sort le téléphone. Des photos et des vidéos dans tous les sens. Vous connaissez. Si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Ou des chiens, peut-être, ou des animaux. Alors, c'est pareil, on est toujours un petit peu admiratif. J'allais dire de ces petites bêtes. Bon, pas pour les enfants, mais pour les animaux. Mais enfin, bref. Voilà, je sais pas, je vais m'arrêter là parce que je pense que ça peut partir loin. Franchement, c'était un jour magnifique. Moi, j'étais là, je commence. On va au ski. Alors, je prends le pantalon, le pull, la veste, le truc, le machin et tout. Un soleil de fou. Il y avait un monde de fou également. Et c'est un truc. Vraiment, moi, la neige, je connais pas. Je veux dire, c'est la 4e fois de ma vie que je fais la neige. La dernière fois, c'était il y a 7 ans. Vous voyez que je suis pas non plus un habitué. Hein, voilà, il me arrive, il me dit, vous avez une carte annuelle? Non. Ah, peut-être une carte de décennie, éventuellement. Mais voilà. Donc, moi, j'arrive tout équipé. Je dis, il fait chaud. Je fais la neige, il fait chaud. Je comprends pas. Il y a de la neige, elle est froide, il fait chaud. Moi, je comprends pas. Et donc, du coup, je vois quelques gars qui sont un peu en mode en t-shirt. Mais tu sentais que c'était les gars du coin, tu vois, les locaux. Les locaux, pas en espagnol, parce que loco en espagnol, ça veut dire fou. Mais les locaux, les gens en français. Et donc, je dis, mais attends, moi, le ski, bon, je le tutoie. Donc, j'ai enlevé tout, je suis resté en t-shirt. Et quelle agréabilité, agréabilité, d'être en t-shirt sur des skis à la neige. C'était vraiment bon. Tu avais ce mix d'ambiance entre ce petit froid qui vient du sol et ce chaud qui vient du soleil. Et ton corps n'est que le vecteur de cette énergie. C'est magique. C'est magique. Voilà. Donc, ça faisait du bien. On a passé un bon moment. On a bien profité, bien bu, bien mangé. On s'est amusé. On s'est régalé. Un super bon moment. Et nous sommes là de retour sur Call of Duty. Modern Warfare 3. Alors, pendant mon absence, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont passées. Il y a tellement de nouveaux packs dans la boutique. Non, ça, on s'en branle. Alors, on a point stratégique, chien de l'enfer, enragé. Hein, c'est pas un chien de l'enfer, c'est un chien d'enfer enragé. Donc ça, c'est encore un peu plus virulent que le chien de l'enfer. Donc on va les tester. Et également, ils ont mis la playlist précision, fusil de précision uniquement. Donc on va les tester un petit peu, tout ci, tout ça. Eh, Departure, oui, c'est la nouvelle map, j'ai pas testé Departure. On va les tester Departure. Donc on va les tester un petit peu, les petites nouveautés du multijoueur, comme ça, comme ci, comme ça. Ça va être plutôt sympa, on va se faire une petite session dessus, on va rigoler, on va raconter des conneries. Place au gameplay avec le horde stratégique chien de l'enfer enragé. Departure, eh gars, on va faire d'une pierre deux coups.
J'ai jamais joué sur Departure. Et on va tester le mode horde stratégique. Je pense qu'il y a un préjugé, je sais pas comment l'appeler. Les mots me manquent. Comme les gens savent que j'aime jouer au sniper, ils me disent « Ah, Sky, tu vas être trop content, il y a la playlist sniper uniquement. » Non. Pour moi, la playlist sniper uniquement, c'est bien pour les gens qui, justement, n'aiment pas forcément jouer trop sniper tout le temps. Je pense pas que quelqu'un qui aime jouer beaucoup au sniper aime les playlists sniper uniquement. En tout cas, pour moi, la playlist sniper uniquement, ça me fait pas bander. Un a priori, peut-être, oui. Oui. Bon, allez, c'est parti. Nous sommes sur... Et la nouvelle map, Departure. Donc Departure, c'est à l'arrière de la map terminale. Ça m'a l'air grand comme ça, non? Wouah! On est sur Almazra. Ok. Cool. Et qu'est-ce qu'on voit là? Ah oui, d'accord. Et on voit la map terminale là-haut. Oui, c'est la map terminale, ça. Franchement, les gars, tu sais que c'est la map terminale. Ils auraient pu la mettre quand même. Oh là là. Aïe. Ouais, ils auraient pu la mettre. Non? Quand même. Un petit peu. Qu'est-ce que c'est ça? Une boule! Ah ouais. Bon, jusque-là, j'ai tué un zombie. Bah ouais, c'est le bâtiment d'un côté terminal, mais je veux dire... Bon, pour le côté anecdotique, ils auraient pu mettre la map là, tu vois, ça aurait fait sympa. Mais là, du coup, on se retrouve sur le l'aéroport, tu vois. Comme sur Almazra, mais c'est pas Almazra, mais enfin... Je sais pas, je reconnais pas, mais c'est... Bah, c'est parce que sur Almazra, on avait l'aéroport avec la map terminale. Bon, un peu différente, mais bon, bref. Ah, vous avez compris. Ah, vous allez pas m'embêter. Alors, c'est vrai que quelqu'un a pointé dans ma direction le fait que quand tu as les musiques de Hans Zimmer, tu... Yeah, qu'est-ce qu'on fait, ça? Ah ouais, non. Forcément, j'ai testé, quoi. Ta musique de Hans Zimmer, elle ne s'active plus in-game. Et c'est vrai que j'ai l'impression que... Oh! Oh, mon premier kill! Y'a un gars, là, non? Putain, je débloque un drone! Mais je suis trop fort! Ah! Des chiens enragés! On récupère les têtes de chiens. On met le drone. Ok. Oh putain, y'a du zombie. Attends, mais le feu, ça brûle. Attends. On peut monter là. On va essayer de faire le tour. Un burger, please. Non, c'est un gros. Ah. IUM. Là, j'ai l'UM, trop bien! Y'a un autre gars là. Ah, des escaliers. C'est des escaliers de service, est-ce que j'ai le droit de passer par là? Qu'est-ce que c'est ça? What? Mais c'est les armes du pack-a-punch! Avec le camouflage et tout, mais c'est trop stylé! Non! J'avais débloqué le swarm! Fils de swarm! Et tu ressens quand même, là au début j'avais un peu de mal parce que ça fait longtemps que j'avais pas joué. Mais tu ressens que quand tu joues pas depuis un moment, tu sais, le SBMM il se reset quoi. Et là tu tombes avec des bottes, mon pote! Oh la vache! C'est bon hein! Là je suis collé les zombies, bien sûr. Bah moi je suis un colleur de zombies moi. Aïe! Je suis désolé de t'avoir dit que t'étais un bot, t'es trop fort frérot. Ah c'est une bonne question, est-ce qu'on peut faire les camos zombies dans le mode zombie? Attends, mais y'a une arme là-dedans? Une arme en or? C'est peut-être rien à voir, je pense, hein. C'est le mec qui l'avait... Ouais, je crois que c'est le mec qui l'avait perdu là. Mais j'ai tiré à côté! Ah! Il a repéré un ennemi! Après, c'est vrai que quand tu te fais pourchasser par des zombies, automatiquement, tu es un peu plus distrait, quoi. Ouah! Eh mais c'est trop stylé avec les armes zombies! Ma. Bon, j'ai pas acheté mon UM, mais bon, Osef, y avait rien dans les airs de toute façon.
Oh le Wallach! Oh le cheater! Oh le cheat! Oh! Oh, en ricochet! En ricochet! Je suis quand même curieux pour la playlist fusil de précision uniquement. Parce que je me souviens qu'il y a eu une époque où on avait des playlists sniper uniquement et c'était un petit peu mitigé. Pour moi, la playlist sniper uniquement peut être intéressante si et seulement si il y a uniquement le sniper, comme son nom l'indique. Mais on a eu déjà des playlists sniper uniquement où dedans tu pouvais utiliser tes atouts, tes killstreaks, les grenades, les flashs et j'en passe et des meilleurs. Bon, on va mettre la nouvelle map, du coup on en profite. Bon, les gens ont pas l'air d'être d'accord. Mais si sur la playlist sniper uniquement, tu peux utiliser tout normal, mais juste les snipers, c'est pas intéressant. Le côté qui est intéressant, c'est justement ça. Pas utiliser la tactique, pas utiliser les explosifs, pas utiliser les atouts, ou les atouts encore, ça peut aller, tu vois, mais juste la manière de tuer, la façon de tuer les gens, c'est uniquement avec le sniper et pas autre chose. Pas de killstreak, pas de grenade, pas de machin. Et ça, pour moi, c'est un petit peu la condition sine qua non pour que le mode de jeu soit intéressant. Si c'est pas le cas, c'est de la merde. Et là, on va être vite fixé. Ah, bah on peut pas utiliser les tactiques et les mortels. Oh, bah c'est bien. Et les atouts, oui. C'est bien. Ah, il y a les killstreaks. Enfin, en tout cas, je les vois à droite. On va voir ça. Casse-toi, cargo, là-bas. Si, il y a les killstreaks. Bon. Ça, c'est pas foufou, hein. Bah, je sais pas pourquoi j'ai rechargé. Je suis vraiment qu'un gros con. Dites pas oui, hein, s'il vous plaît, mais... Je suis vraiment qu'un gros con. Ah ! Pour l'instant, sur le papier, c'est pas mal de se dire qu'il y a que le snipe. Drone hostile dans la zone, ouais. Ouais, casse-toi là! Tu vraiment, tu putes, t'es périmé! T'es périmé! Ah, il s'était là. Ah, ouais, d'accord, mais c'est quoi ces gars en face là? C'est quoi ces ennemis là? Je suis nul! Je suis à GRV, je me dégoûte! Allez, ça se voit, ça fait longtemps que j'ai pas. Je pense que je vais partir. Tu sais, quand tu veux faire des bonnes games sur Call of, il faut partir en vacances. Je crois avoir trouvé. Ah! Fils de pute! Pardon, bien wesh, frérot! Ah, mais c'est quoi ces gars en face là? Bah, ils sont chelous, les types, hein. Ils sont là, ils sont allongés, des mollusques. Eh les gars! Oh! Oh! I'm on fire, baby! Attends, on va essayer de prendre A. Oh putain, oh putain, j'ai pris une bastos. Non ! Pourquoi ils ont respawn là ? Crevez en enfer, bande de pourriture! Je reste sur le stream, visage souriant. Ah bah je meurs avec mon propre truc. Ah bah encore, non mais bravo! Eh oh, c'est quoi ce spawn kill là? Oh non!
C'est nul ça. Putain! Oh, je suis dégoûté! J'ai trop. Bah après, tu sais, j'étais pas loin, donc je me dis, bah c'est quoi, on va essayer d'assurer le coup, tu vois. Techniquement, la stratégie était pas mauvaise. Techniquement, la stratégie était pas mauvaise. Mais ils ont respawn sur moi! Ah putain, moi je voulais assurer le coup, tu vois, je dis vas-y, je vais pas non plus foncer comme un bolos. Oh merde! Dommage. Dommage! Par contre, les swarms ça dure pas longtemps, non mais je l'ai mis, j'ai l'impression que ça m'a tué plus que ça a tué les gens. Ah, dommage. Bon, en tout cas, la sniper uniquement est... Bon, là, après, les gars en face, ils sont... Tu sens que le SBMM, il est... Ah, d'accord. Eh, je te l'ai volé, allez, bats les couilles. Bats les couilles. Ah! Bon, mais bon, il y a un petit côté un peu mou, tu vois, vraiment, faire du sniper uniquement, c'est sur des petites maps, quoi. Et encore, celle-là est pas très très grande, mais... Bon, on a mis une quad feed, avec la nouvelle feed, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont patch la feed... Oh, pardon. Ils ont patch la feed, et avant, la feed est restée 10 secondes à l'écran, ce qui était quand même beaucoup. Maintenant, la feed, elle dure que... Mais... Maintenant, la feed, elle dure que 5 secondes à l'écran. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de faire une quad feed, du coup. Mais du coup, beaucoup plus méritant, dans un sens aussi. J'ai mis plus que ça, ouais. Peut-être, j'étais on fire, quoi. Il y a des moments comme ça, ouais. Bon. Bon, on va dire qu'on n'est pas non plus tombé... sur un lobby super compliqué. Eh, sniper uniquement, y a... Bon, bah c'est... Ah, je suis... Eh, on aurait pu le faire. On aurait pu... Mais tu sais, c'est toujours le moment où t'es un peu mitigé. Parce que tu te dis, regarde, je suis là. Je suis à... J'étais à plus de 20 kills sans mourir. J'ai jamais fait la nuque sur le jeu. Bon, j'ai jamais trop tenté, tu vois. Moi, je suis un peu tête brûlée, je fonce dans le tas, je m'en fous. Mais là, je me dis, bon, je sentais bien qu'avec le lobby, il y avait quand même moyen de moyenner. Et c'est toujours le moment où tu dis, je suis arrivé là sans avoir un style de gameplay particulier. Pourquoi je devrais le changer? Mais tu dis, bon, je vais quand même essayer d'assurer le truc. On sait jamais, t'es en mode snipe uniquement. Même si les gars, ils sont pas foufous en face, une balle de snipe perdue, ça est vite arrivé. Et derrière, tu es là dans le turlututu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est toujours le moment où tu dis, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'assurer le truc? Ou est-ce que je continue comme ça? Et puis, si ça vient, ça vient. Bon, là, j'ai essayé d'assurer le truc. Techniquement, ça pouvait le faire. Mais comment ça se fait qu'il y a les deux gars, ils sont apparus dans le bat? Ah! Parce que ma technique était bonne, je faisais droite-gauche, un petit gars par-ci, un petit gars par-là, bam! C'était bon. Et là, malheureusement, bah, c'était plus bon. Mais c'était bon quand même. Ah, c'était bon quand même. C'est pas grave pour la nuque, Osef. Mais la game était bonne, ouais. La game était bonne. Allez, c'est parti, on y va! Terminal! Ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus la musique de Hans Zimmer quand on commence, il y avait avant. Putain, le gars... Oh, dommage. Bon, après, il y a aussi ce côté, je pense que... Tu sais, t'as le sentiment que le SBMM est pas très fort. Bon, d'un côté, je pense pas qu'il soit très fort non plus. Mais je pense qu'il y a aussi le côté que... Bah, il y a pas de grenade, il y a pas d'explosif, il y a pas de tout ça. Et c'est vrai que les gens jouent beaucoup avec les tactiques et les mortels. Ah ouais, deux hitmarkers sur le même gars. Ah, ok. Ok. Et le fait qu'il y ait pas de tactique et de mortel, déjà, ça rend la game beaucoup plus calme. Ce qui donne cette première impression. Deuxièmement... Bah, y'a que des snipers. Donc y'a pas genre les mecs qui vont bourriner avec une AR, bah. Non. Tu vois, c'est vraiment, c'est beaucoup plus calme. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus calme. Et troisièmement, bah les gens sont pas toujours très très à l'aise avec le snipe, tu vois. C'est ce que je te disais, c'est que la play sniper est pas forcément faite pour les gens qui jouent uniquement sniper. Et au contraire. Pour moi, la play sniper, elle est bien pour les gens qui jouent occasionnellement au snipe. Donc...
Je pense que ceci explique cela. Voleur. Il me vole mes kills, le gars, c'est horrible. Ah ! C'est quoi cette embuscade ? Ouais, c'est un mode pour s'entraîner au snipe, ouais, je pense. Ouais. Pour s'entraîner au snipe, c'est pas mal parce que du coup, ça te permet de te familiariser un petit peu sans avoir, on va dire, des mitraillettes, des AR qui peuvent effectivement être un petit peu. Ah, j'avais vu un truc rouge, je savais pas que c'était ça. Mais c'est plaisant. C'est plaisant, mais des fois, c'est vrai que tu sens que c'est un peu plus mou, quoi. Je pense que le snipe versus snipe serait bien en 8v8, à la limite. Mais... Oh Skyros, si tu savais tout le mal. Bah kills m'ont fait quoi. Voilà, kills m'ont fait. Plein de kills, plein de kills. Bon, c'est vrai que ça manque un peu de bruit, ça manque un peu d'ambiance. Oh, le mec trop concentré. Hein ? Oh, mais attends, mais c'est quoi ces fils de pute ? Je suis pas du genre à m'énerver parce que moi je suis plutôt quelqu'un de calme, mais quand même. Tiens, petit enfant de merde, va. Petit enfant de merde. Tu es vraiment qu'un des... C'est à combien que ça se gagne? C'est 125, 130? Mais c'est vrai que normalement il y avait les musiques de Hans Zimmer là. On est d'accord? Bon, c'est sympa. C'est vrai que si tu débutes au snipe, t'es pas très habile avec ça et que tu veux pratiquer, je pense que c'est le bon mode. Parce que y a pas de grenades, pas de flash qui pourraient t'embêter, pas de gars qui sont avec des AR ou quoi qui pourraient éventuellement être... C'est vrai gênant parce que y a un truc qu'on réalise pas, mais le tressaillement qu'il y a sur les snipers, c'est-à-dire que quand tu te fais tirer dessus, l'arme se lève énormément dans les airs. Donc c'est très difficile quand tu débutes d'arriver à être rapide et efficace au sniper quand tu joues contre des gens qui ne jouent pas au sniper. Parce qu'automatiquement, dès que tu te prends une balle, tu perds toute précision, c'est compliqué. Donc beaucoup de gens, quand tu débutes, ils ont besoin d'un peu de temps pour viser, ajuster, etc. Et que, malheureusement, si tu tombes sur des gens un petit peu virulents avec une mitraillette ou quoi, une arme automatique, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc pour débuter, et pour, on va dire, s'initier un peu au mode, je trouve que c'est parfait. Bon, le dynamisme peut paraître un petit peu lent à certains moments parce que, justement, tu n'as pas ce côté des explosions. Ça manque de bruit. Donc, tu as le sentiment que ça manque d'ambiance, tu as le sentiment que c'est un peu raplapla. Mais finalement, on a fait tout autant de kills, voire plus. Donc, c'est juste une question d'impression plus qu'autre chose, quoi. Mais effectivement, je pense que ça le serait d'autant plus, là, pour la circonstance, si les gens étaient un peu plus agressifs en face. Oui. Et je pense que c'est le genre de situation où tu dis, bon, là, si tu tombes sur des gens un peu plus agressifs en face, il y a quand même un challenge. Parce que les joueurs snipers, une chose est sûre, c'est que quand tu tombes sur un bon joueur au snipe en face, t'as qu'une seule envie, c'est de lui mettre, c'est de lui coller.
derrière l'oreille. Donc du coup, bah, quand tu tombes sur des gens comme ça, tu dis « Ok, je te déteste, je t'insulte, mais j'apprécie la compétition. » Il y a un truc comme ça, il y a un truc comme ça.